Alors les amis, aujourd'hui nous allons apporter une correction à cette autre vidéo aussi, ok? Écoutons la vidéo ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a là? Le loupo. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous à l'ouest, le loupo. Mais les blancs, ils appellent ça la citrouille. Alors ces blancs-là, ils cultivent la citrouille principalement pour ses graines. Graines qui sont hyper riches en protéines et utilisées dans la fabrication de l'huile et des produits de santé. D'autre part, on remarque là que eux, ils ne mangent pas la chair. La délicieuse chair de le loupo. Vous ne mangez pas ça. Vous voyez comment il broie ça et il reverse ça en champ. Et cela permet donc de fertiliser le sol et ainsi de préparer la campagne prochaine. Suite à cette vidéo, beaucoup de personnes étaient venues m'insulter sur le en commentaire. Tellement de personnes, même les blancs sont venus m'insulter. Oh non, tu ne connais rien. Tu es un villageois. Il faut bien vous renseigner. C'est monté, c'est descendu. Simplement parce qu'elle dit que les blancs ne mangent pas la citrouille. Et pourtant, je ne fais qu'interpréter ce que je vois. Vous-même, vous voyez qu'il ne mange pas ça. La chair est broyée et elle est reversée en champ. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il existe plusieurs variétés de citrouilles. Et cette citrouille-là que vous voyez dans la vidéo, c'est une variété de citrouille oléagineuse. Oléagineuse, voilà. Oléagineuse, ok? La prononciation n'est pas tellement facile. Le français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, du coup, vous prenez ça comme ça. Donc, ça, c'est une variété de citrouille oléagineuse qui est cultivée pour ses graines riches en huile qui servent à fabriquer de l'huile, des remèdes et tout le tralala. Maintenant, il faut savoir que la chair de cette citrouille-là, ils ne la jettent pas parce qu'ils veulent. Ils la jettent tout simplement parce que cette citrouille-là a la chair amère. Donc, c'est pas consommable. Maintenant, il y a d'autres variétés de citrouilles. Donc, la chair est consommable et c'est cette variété de citrouille-là qu'on consomme. Donc, vous voyez qu'en disant que les blancs ne mangent pas la citrouille, je n'avais pas totalement tort. Ok? Il y a des variétés de citrouilles qui ne se mangent pas. Voilà. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, les amis. Donc, n'hésitez surtout pas à nous donner votre avis en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, la famille.